Bonsoir les amis. Donc ce soir pour le premier tuto des Daiwakot, je vais vous présenter une machine que j'ai à peu près conçue. Avec mon collaborateur John Bowman. Collaborateur, oui. Je te colore voilà. Et tu ouais. Qui a fait cette magnifique maison. Bah, magnifique, elle est moche, hein, franchement. Donc voilà, donc il a fait cette magnifique de mes maisons en deux soirs. Bref. C'est pas vrai. Donc je vais vous montrer une machine qui servira à toutes les personnes qui jouent en multijoueur. Car il faut au minimum être deux. Parce que tout seul, ça sert un peu à rien. Donc pour ceux qui sont en serveur ou qui jouent à plusieurs, en mode survie surtout. Donc voilà. Donc le but principal de cette machine, c'est donc, voilà, donc vous allez dans votre maison, tranquille. Hop, on descend dans la cave. Oh mon dieu, il y a des fantômes. Ah. Oh non, ça fait peur. Donc vous rentrez dans votre salle des coffres. Et là, donc vous avez ceci. Donc un piston et du sable. Et là, en dessous, il y a votre collègue mineur. Donc coucou. Bonjour. Collègue mineur. Bon là, on le voit pas. Et vous, il dit... majeur. Voilà, il est majeur. Donc, avant de retourner mourir dans un petit trou de lave, comme il se doit en tant que mineur, il vient déposer donc ce qu'il a récolté. Donc vas-y, dépose. Il y arrive. Voilà. Et pouf. Voilà, c'est bon, t'as tout fermé. Et c'est parfait. Voilà, et vous avez juste à activer ce levier. Voilà. Comme par enchantement, par magie ancestrale du dieu de la guerre. Donc voilà, donc c'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est toujours utile. Ça évite aux mineurs de remonter à chaque fois, etc, etc. Hop, vous attendez un petit peu. Tic tac, tic tac. Et il n'y a plus assez de sable. Donc, dans ce cas-là... il n'y avait pas assez de sable. Oui, bravo, on peut... Donc, on va vite fait aller remettre du sable comme il se doit. Donc voilà, donc par contre il faudra faire un petit truc pour camoufler derrière, donc moi j'ai mis une petite tour comme ça en sable. Comme ça en même temps je vous montre une fois que la machine est remplie. Ah c'est sacrément camouflé, t'as une énorme tour de sable qui fait 15 blocs. Et vous posez juste vos blocs de sable ici, voilà au bord. Donc ça c'est parce que forcément il y en a besoin de sable, et en mode survie ça évite qu'il y ait juste une colonne de sable qui sort de terre. C'est toujours plus esthétique. Le château XL du Capitaine Crabe la tour. Voilà, donc une petite tour sympathique. Donc voilà, une fois que vous avez... normalement une tour entière ça suffit largement pour remplir le trou. C'est juste qu'avant on a fait des tests et qu'on a oublié d'en remettre. Donc voilà, donc vous retournez dans la cave. Comme ceci. Et vous réactivez le levier. Et normalement ça devrait être... voilà. Et une fois que c'est en haut, vous arrêtez. Et voilà, vous récupérez les diamants de votre compatriote. Que vous pouvez... ça c'est mes trouvailles de la semaine. Voilà, 7 diamants en 4 heures. Vous pouvez ranger dans vos coffres. Et si jamais par toutatis vous oubliez d'arrêter la machine à temps, il y a toujours une petite sécurité là que vous pouvez mettre si vous avez envie. Comme ça, si les blocs ils continuent d'avancer, ils tomberont sur cette torche là et ça évitera que la machine se bloque pour rien. Donc voilà. C'est le genre de moment où tu te sens bête en fait. Voilà, surtout. Voilà, donc c'est une petite machine pour les mineurs, hein, donc ça évite à la personne de remonter à chaque fois et de mourir avec tout le. Les objets sur elle, donc il y a une version un peu plus évoluée qu'on vous montrera plus tard dans la vidéo là. Et d'ailleurs on va tout de suite aller vous montrer comment ça se passe et comment ça se construit cette petite machine. Donc on va passer tout de suite à la deuxième partie, donc pour vous montrer comment ça marche et comment le fabriquer surtout, et la deuxième version. Donc voilà, on va regarder la télé avec mon ami John Bowman. What the fuck? Je viens de passer à travers le sol pour revenir. Ouais, là, voilà. J'ai un peu bugué. Donc voilà. Passager, c'est normal. Et voilà. Bonjour. Allez, c'est parti. T'as l'air très étonné, dis donc. Et donc nous voilà sur la map où on va vous montrer à peu près comment ça marche et comment le fabriquer. Donc là je l'ai reproduit bon en plus grand dans une plus grande salle des coffres, hein, mais ça c'est pas grave. Donc le système est tout bête. En dessous ici vous avez... ah, on a oublié de préciser un truc en plus, je viens de penser dans la vidéo d'avant. Qu'on va pouvoir dire ici du coup, pour enlever le sable après dans le... ouais, donc là vous avez donc l'ouverture. Donc
Je vais vous montrer comment enlever ça. Donc là, vous vous dites, une fois que le sable est en bas, voilà, vous pouvez pas l'enlever, etc., etc. En fait, il suffit d'ouvrir le levier ici, qu'il y a forcément dans l'autre, et tout le sable tombe sur une torche qui le fait disparaître. Voilà. Comme par enchantement. Comme par enchantement. Ensuite, vous suffit de refermer, de recommencer, etc. Ensuite, il y a un deuxième piston, donc à fermer aussi. C'est pour éviter que quand le sable tombe, les diamants retombent devant vous. Sinon, ça servirait un peu à rien. Donc ça voilà, coûte donc beaucoup. Enfin, c'est le même principe. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, donc on a besoin de deux leviers et de pistons collants. Et pour ce système-là, donc le système de base, on aura besoin donc de deux pistons normaux, quelques redstone et 1, 2, 3, 4, 5 répéteurs. Voilà. Une et deux torches. Donc voilà, c'est vraiment un système qui coûte pas grand chose et qui est quand même assez utile en serveur multijoueur, voilà, comme je vous l'ai expliqué avant. Donc de ce côté, nous avons la version 2 qui est beaucoup plus coûteuse en ressources, mais qui est beaucoup plus efficace car il n'y a pas besoin de recharger en sable. Donc j'ai pu faire cette version grâce à une vidéo de Starvet, que vous connaissez sûrement déjà tous, qui a réussi à faire un générateur de sable pour le Xbox. Donc voilà, donc là c'est le même principe, hein. Nous avons le trou ici qui descend jusqu'à dans la mine, le levier est activé, et voilà, le générateur se met en marche. Il est un peu plus long par contre parce que on peut pas vraiment choisir la vitesse, sur l'autre c'est faisable. Donc voilà, il suffit d'attendre, hein, le sable apparaît comme par magie, et à l'infini, donc ça évite de recharger, mais c'est quand même utile, du coup on peut faire plus de profondeur sans forcément avoir besoin de recharger les blocs à chaque fois. Donc voilà. John qui s'étouffe. Donc là c'est le même principe, hein. Arrivez en bas, vous ouvrez ce piston là, celui-là pour enlever le sable. Vous pouvez même le laisser, vu que c'est un générateur, on n'a pas besoin de le récupérer. Donc voilà. Donc par contre ce système là est beaucoup plus gros. Voilà, c'est celui-ci. Donc ce système là, je vais pas vous montrer comment le faire, car je vous mettrai un lien vers la vidéo du tutoriel de Starvet qui permet de construire le générateur de sable ou de gravier. Donc c'est le même principe, sauf qu'au lieu de mettre, comme dans la vidéo qu'a fait Starvet, une vingtaine de pistons, vous en mettez juste un. Ce qui suffit pour remplir le trou, voilà. Donc voilà, donc pour ce tuto-là, on va casser ça, donc, et je vais vous remontrer comment ça marche. Bon, c'est pas non plus super dur. Tout. Et si tu sais pas le refaire, ouais, parce que je l'ai pas encore refait. Mais bon, c'est un système bidon, donc voilà. Donc, pour oui, commencer, il y a... voilà. Ça, donc, ce système-là, je l'avais vu sur une vidéo donc de Zephyr. On appelle ça un cœur, parce que ça reprend les pulsions un peu d'un cœur. Enfin, les pulsions. Donc, pour faire ce cœur, bon, la forme, vite, enfin, c'est plutôt la forme d'un 8 qu'un cœur. Enfin, bon, bref. Donc, voilà. Donc, tu dis que moi, j'ai pas le cœur en 8. Bah, toi, t'as des soucis, c'est pas pareil. Donc pour commencer, vous mettez et pas que au cœur d'ailleurs. Une torche du côté, en fait la torche vous la mettez du côté où vous voulez mettre le levier. Donc le levier qui est là derrière qui active le système. Donc ensuite, si vous mettez donc la torche ici, vous mettez un répéteur ici sur deux, sinon le système s'emballe et risque de foirer. Ensuite, vous me rajoutez peut-être une crise d'épilepsie. Voilà, oui, ou une crise cardiaque ou autre. Il peut avoir un souffle au cœur. Les deux en même temps. Ah, ça c'était comique. Donc voilà, donc comme ceci, et ça marche pas parce que je me suis trompé. En fait non, là vous mettez le répéteur dans ce sens là, forcément, et celui-là dans ce sens, et vous les mettez les deux sur deux. Oh là là, voilà. Là là. Donc comme vous pouvez le constater, ça tourne et ça s'arrête pas. Donc logiquement, si vous mettez un levier là et que vous l'éteignez, la machine s'arrête, voilà. Donc ensuite, là c'est tout bête, hein. Vous remettez une redstone ici, qui clignotera en même temps que le système. Une deuxième là, et vous en mettez deux ici sur quatre. Car sinon les pistons s'emballent et vous aurez plus de sable à côté que dans le trou. Donc voilà, donc deux pistons de cette façon sur quatre. Pareil de ce côté, vous mettez juste un bout de redstone, un répéteur là pour que ça aille jusqu'au bout, et vous le collez au piston. Voilà. C'est rien de difficile. Hein. Donc là c'est ce que je disais avant, il faut recharger à chaque fois la machine. Donc après tout le monde, mais il faut les ressources. Donc voilà, donc là j'ai rechargé pendant qu'elle était allumée, donc ça n'a pas marché. Donc voilà, c'est, on va dire, elle est moins coûteuse, mais après voilà, il faut le sable, il faut le récupérer, le remonter à chaque fois. Donc c'est pour ça que le système avec le générateur est quand même plus pratique. Donc ensuite, une fois que vous avez placé votre levier à l'intérieur, oups là, un peu de la merde.
fois que vous avez placé donc Des votre. petits soucis là. Attends, mais j'ai pas fini. Votre levier à l'intérieur, donc vous le reprenez derrière. Donc ça, vous pouvez les enlever. Vous faites votre escalier en redstone, comme d'hab. Et ici, vous mettez une torche pour inverser le système. Que On vous sert reliez. trop d'électricité de la redstone, c'est forte, non. Inverseur, oh là là. Ici pour éteindre il la aimerait torche. bien devenir électricien. Électricien. Oh ouais, non, pas tout de suite, hein, parce que vu comment je fais déjà avec la redstone, on n'est pas dans la merde sinon. Un peu, ouais. Donc voilà, donc attendez, là je vais juste faire rajouter du sable. Voilà. Bon, ce qu'il y a dessus là, je sais pas ce que c'est pas grave. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait juste, voilà, c'est simple, hein, juste à faire un cœur relié aux deux pistons avec tous les répéteurs sur 4 à chaque fois, ça c'est important, les 3 d'au-dessus sur 4. Sinon la machine foire et elle s'emballe et voilà, et ça foire. Les deux répéteurs ici sur 2 et le tout relié avec un inverseur au levier. Donc voilà, donc ensuite c'est simple, on va enlever le sable, juste je vais laisser ça ouvert. Voilà, c'est simple, vous activez et normalement ça fonctionne. C'est magique. Donc voilà, pour les systèmes, une fois dans la mine, vous avez juste à creuser en dessous de votre maison ou en dessous de votre local où vous voulez faire ce système. Et une fois dans la mine, hein, voilà, vous mettez juste, vous laissez une ouverture là. Vous mettez un piston collant pour fermer, pour éviter que les diamants retombent devant. Et un piston collant en dessous avec une torche de redstone. Voilà, ce que je vous disais, c'est que si on met des diamants là... Oups, merde, pardon, j'ai un peu tout foiré. Si on met les diamants ici... Ah, moi je suis encore super bien visé. Tu peux activer la machine, John? Je crois que t'étais en haut. Et que vous oubliez de fermer ce piston là ou que vous le mettez pas, ça fera un truc tout con. Mais non, justement, faut pas. Oh. Voilà. Je sers à rien, Vas-y. Donc le sable devrait arriver. Je tiens à préciser que ce n'est pas un ascenseur à mob. Oui, non, ça marche pas. Si vous mettez un joueur ou un mob dedans, il va mourir étouffé, c'est tout ce qu'il aura gagné. Mais ça ne marche pas. Ça marche que pour les items. C'est comment ce que je voulais dire. Voilà. Il va mourir sadiquement étouffé dans du... Donc là, comme vous pouvez le constater, un premier prototype qui prenait vachement de place et qui servait vachement à rien parce que ça marchait pas. Donc voilà. C'est un prototype. Comme quoi, j'ai un peu recherché avant de faire cette machine parce que j'ai pas vu de tuto sur YouTube, donc ça peut quand même être utile en multijoueur, comme dit, pour les mineurs. Ça évite quand même à chaque fois de remonter, de perdre du temps pour rien parce que les mines sont souvent vachement profondes. Et de se perdre et de perdre tout ce qu'on a eu. Voilà, ouais. Et de sauter dans la lave comme Gregos. Pardon. Comme John Bobman aime bien ça. Voilà, exactement, je suis amoureux de la lave. Voilà. Et réciproquement. Moi je dis franchement le plus utile c'est quand même le système avec le générateur de Monsieur Starvet. De Mr. Starvet. Voilà. Oui. Bon. Qui est vachement plus efficace car il n'y a pas besoin de recharger, il n'y a juste rien à faire. C'est extrêmement... Voilà. Ouais. Ensuite ça c'est pour ceux qui jouent en survie mais qui sont pas trop avancés. Et qui aimeraient quand même bien... Mais ça c'est clair que c'est pour ceux qui jouent en survie parce qu'en créatif je n'y vois aucun. Oui okay. Voilà, c'est sûr, en créatif il n'y a pas vraiment d'utilité à avoir cette machine de toute façon. Donc voilà. Et je me permets de finir ce tuto en beauté. Vas-y, fais-toi plaisir. Pour illustrer le magnifique argument que nous avons dit à l'instant. Si vous faites tomber du sable sur quelqu'un ou un mob, ça fera ça. Donc voilà. Donc il va décéder, ce qu'il ne fera pas ici vu qu'on est en créatif. Et voilà, donc je resterai toute ma vie dans ce lieu. Voilà, donc tu viens de faire un truc qui sert à rien. Voilà. Il me représente. C'est sympa d'avoir participé quand même. Voilà, donc voilà. C'est un tuto pour une machine sadique de mort pour étouffer les mecs dans le mur. Voilà. Voilà. Donc soit vous faites ça, soit vous étouffez des mecs dans le sable, soit vous en utilisez pour dans vos mines. Voilà, donc voilà. Et je suis coincé dedans, je ne vois plus rien. Ah, voilà. J'allais dire mon sauveur, ben non. Sadique par contre. Bon, je pense que vous vous laissez là parce qu'il est en train de s'amuser avec le mur. Donc voilà, donc en espérant que cette machine vous aidera un petit peu et qu'elle vous sera utile. Moi personnellement je l'utilise en mode survie. Donc forcément, après c'est à vous de l'as inventé. Oui, voilà. Oui, donc j'ai dit que je l'ai inventé en gros parce que j'en ai pas vu sur YouTube nulle part.
Même si ça paraît anodin comme je l'ai dit, ça c'est quand même vachement utile pour ceux Vachement, qui jouent à ouais. plusieurs. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici Deux. donc pour ça. Je vous remonte une dernière fois le système, hein, c'est pas compliqué. Donc 5 répéteurs, 2 tours de redstone, un stack de redstone ça suffit, et 2 pistons non collants pour ce système-là. Pour le Pendant syst... ce temps. Donc pour le deuxième système, je vais mettre un lien dans la description, donc pour le générateur de Monsieur Starvet. Et voilà, suffira de l'adapter à votre cave ou votre local où vous le poserez. Et par contre, oui, par rapport au générateur, c'est tout simplement le générateur qui pousse le sable, hein. Il n'y a pas d'autres systèmes à côté. Oui, voilà, oui, c'est juste un. Le générateur fait juste apparaître les. Juste le glitch pour faire apparaître le sable et le pousse dans le trou. Il n'y a pas de. Donc voilà, donc pour celui-là, il vous faut juste 2 blocs de sable. Pour l'autre, il vous en faudra un peu plus. Et il faudra le récupérer en bas surtout. Voilà, moi Pouvoir le par contre, juste, remonter. je vais faire un tour. Montagne russe. On va kiffer. Ouais, donc là, vous pouvez voir à peu près tout ce que je teste sur mon serveur. Hein. Il y a un peu de tout, un peu de. Voilà. Beaucoup de choses inutiles. Non, il y a des trucs qui sont sympas, genre comme ceci. Hop, tac. Et je vous montre pas. D'accord, mais ne déborde pas, ne déborde pas. Oula. Donc voilà un système pour faire monter l'eau vers en haut. Des trucs, voilà. Ça, c'est inutile, mais. De quoi? Vous le savez, une fontaine qui monte. Truc pas Oui, non, logique. mais c'est Pas toujours possible. utile d'avoir de. Et là, un petit système. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, pour faire répéter un système, mais avec un timing en fait. Ouais, si on pose Oui, un. un wagon qui monte et qui tombe et qui monte et qui tombe et qui Si on monte. pose un Et wagon des dès que j'arrive à le vestiges. poser quelque part, voilà. Donc là, il a ouvert la porte par exemple. Il monte en haut, il tombe dans la toile d'araignée. Avec un John Bobman dedans. On attend qu'il descende. C'est un petit bonus ça pour dans la vidéo. Si vous voulez mettre des timings sur vos. Voilà, il y a sûrement des trucs plus courts, mais ça, moi j'aime bien cette. Et sachez que avec le maximum de toiles d'araignée, je pense que ça peut tourner autour de 3 heures de chute. Voilà, oui, on peut choisir de. Voilà, donc ensuite il refait le chemin, etc. Ça va ouvrir la porte, ça va refermer. Et plus vous mettez de toiles d'araignée en hauteur, hein, forcément plus ça sera lent. Donc voilà, donc ce tuto s'arrête ici. Donc en espérant que la petite machine pour Non, mineur vous j'ai a bien plu. ici tout pile, mais on l'a déjà fait. Ah oui, ici tout pile, on l'a déjà Bah fait. bien, ici tout pile dans la toile d'araignée. Voilà, attends, j'arrive. Correspondant à la toile d'araignée, magnifiquement. Donc voilà. Va me pousser. On espère vous revoir à une prochaine vidéo, un prochain tuto ou autre. Donc voilà, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner ou mettre un petit j'aime, n'importe. Même un j'aime pas, on s'en fout, tant que vous regardez. À la limite. Donc voilà, ce fut un Limite, tuto j'ai limité. rapide et efficace et on va vous laisser là pour ce soir. Bye.